En fait, le message qu'on veut exprimer, c'est que la saison, elle est ridicule. D'autant, le fait qu'il y ait le mercato qui est complètement raté jusqu'aux prestations sur le terrain. On a des joueurs qui ne se battent pas pour nos couleurs, qui ne respectent pas le club. On a encore eu l'exemple avec Messi, avec Messi avant-hier. Donc c'est surtout pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah non, pas du tout. L'affaire Messi, elle n'a absolument rien à voir avec ça. La goutte d'eau, elle est là depuis des années. C'est un cumul de choses qui font que les gens n'en peuvent plus. On n'en peut plus du sportif qui est inexistant. On n'en peut plus de ticket place, les billets qui sont hors de prix. Moi, je peux même plus aller au stade alors qu'avant Messi et compagnie, j'y allais tous les matchs. C'est tout. C'est un ras-le-bol de tout, l'affaire Messi. Franchement, moi, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est un trop-plein de tout. Il n'y a rien qui va au club actuellement, rien. Il n'y a absolument aucun point positif qu'on peut ressortir du Paris Saint-Germain actuellement. Et les gens, ils en ont marre. Ils sont dépités, ils sont déçus, ils sont tristes. Et c'est pour ça que tout le monde est là aujourd'hui. On ne peut plus, quoi. Ce qui est bien, c'est que, on l'a vu il y a deux jours, Messi a été suspendu. Ça montre que voilà, ils veulent peut-être changer. Ça montre qu'il était suspendu deux semaines, pas de masse salariale, il ne va pas prolonger les infos, ce qu'on a eu. Ça prouve qu'ils ont peut-être changé et mettre tout le monde de l'ego et que ouais, c'est pas Messi, on va le laisser aller en vacances et tout. Donc peut-être ça prouve que ça a peut-être changé en fait.